Les manifestations de la semaine passée ont déterminé l'arrêt de la production pétrolière dans l'important charme de Shahara qui peut produire 300 000 barils par jour. Après les attaques de l'OTAN de 2011, la production pétrolière libyenne a été perturbée. En 2020, la production pétrolière a augmenté à 1,2 million de barils par jour. La compagnie pétrolière nationale, qui contrôle le champ qui se trouve dans le bassin de Marzouk, a confirmé que les fournitures de pétrole brut ont été arrêtées du champ de Shahara jusqu'au terminal de Zawiya. Le champ de Shahara, qui se trouve dans le désert méridional du Fezzan, a été visé par plusieurs manifestations dans les dernières années. Les autorités libyennes ont parlé de conséquences sérieuses pour le marché pétrolier local qui sont encore difficiles à quantifier. Déjà, dans le mois de juillet 2023, la production pétrolière au champ de Shahara et dans d'autres 108 champs libyens avait été arrêtée à cause de l'enlèvement du ex-ministre des Finances. D'autre part, au mois de septembre 2023, dans la ville de Derne, a eu lieu une des plus grandes catastrophes climatiques qui a visé la Méditerranée dans les dernières années, à suite de l'inondation qui a causé milliers de morts.